avant et pourrait abandonner le pick-up. Qu'il y a des gens qui aiment vraiment vivre ici. C'est la foi en Dieu. Parfois, Mars est un ennui. Bonjour, je m'appelle Renée et je m'ennuie. Mes parents disent que je dois pas parler aux inconnus, alors je me suis dit que je pourrais vous parler. Comme ça, on se connaîtra et je m'ennuierai peut-être moins. Ouais, super! Maintenant, on est potes et mes parents pourront pas m'interdire de vous parler. Bon, de quoi vous voulez parler? Ça va, c'est mieux que de vivre dehors. C'est pas possible de vivre dehors sur Mars, donc je pourrais mourir. Ça pourrait être bien de vivre sur une autre planète un jour. Je crois qu'on vivait ailleurs quand j'étais vraiment toute petite. Des fois, on allait voir mon papy et ma mamie à New Atlantis avec papa et maman. Pas vraiment. Il y a Taillé, c'est un bon copain, mais c'est un de mes seuls amis. Il n'y a pas beaucoup d'enfants sur Mars. Maman dit que les gens viennent juste pour travailler dur pendant pas longtemps. J'aimerais qu'il y ait plus d'enfants, parce que je m'ennuie quand Taillé est occupé et que papa et maman sont au travail. J'aime jouer avec Taillé, parfois. On a inventé plein de jeux. Parfois, on écoute de la musique ou on regarde des trucs. Mais quand il est pas là, j'aime dessiner. Parfois, je fais des dessins et je les donne à des gens, parce que tout le monde fait la tête. Ça les fait sourire. Vous voulez vraiment m'aider? Je viens de dessiner ces super dessins de la grenouille spatiale, mais je peux pas sortir pour le moment. Vous pouvez les afficher pour moi? C'est la grenouille spatiale de l'espace! C'est un petit personnage que j'ai inventé. J'ai jamais vu de grenouille en vrai, mais j'ai vu des images. Enfin bref, elle vit dans l'espace, elle va de planète en planète pour aider les gens tristes ou qui ont besoin d'aide. Elle est super! C'est vrai? Merci, merci! Les gens vont être trop contents! Voici des copies du dessin de la grenouille spatiale que j'ai fait. Vous pouvez les mettre à des endroits où les gens vont les voir. Merci beaucoup! Attention aux robots, ils sont étonnamment sournois. Tous sont les bienvenus ici. Allez sur Mars, qu'il disait.
apprendre à accepter la vérité. Les gens, la grenouille spatiale de l'espace. Bonjour, merci d'avoir fait ça pour moi. J'aurais bien aimé y arriver seule, mais je préfère encore qu'un adulte m'aide. Carrément. La dernière fois, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me féliciter. J'espère que les dessins resteront plus longtemps cette fois. Enfin bref, j'ai un petit truc pour vous, en guise de remerciement.